Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires en chevauchant un loup ou un sanglier. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre, attendez deux petites secondes, c'est de vous rendre juste ici à Shifty Shaft, donc on va sortir de l'enclos par contre. Juste ici à Shifty Shaft, vous avez un enclos avec deux sangliers. Donc si vous y allez en début de game, les sangliers ils seront obligatoirement. Donc ce que vous faites, c'est que vous sautez sur le dos d'un sanglier pour le chevaucher. Voilà. Et quand vous êtes sur le dos du sanglier, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Alors ça, c'est une possibilité, c'est de venir à cet emplacement. Mais si vous voulez pas venir à cet emplacement, je vous affiche une image avec tous les emplacements des loups et des sangliers de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc voilà. Donc quand vous avez trouvé un loup ou un sanglier, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire. Vous allez devoir infliger 500 de dégâts aux adversaires. Donc logiquement, si vous êtes sur un sanglier et que vous infligez des dégâts à un loup, normalement, le loup est compris comme un adversaire, donc ça devrait fonctionner. Donc ce que vous faites, c'est que si vous croisez un loup, ben vous lui infligez des dégâts pour lui infliger 500 de dégâts et terminer le défi. Sinon, si ça ne fonctionne pas avec le loup, ce que vous faites, ben c'est que vous infligez des dégâts à un adversaire. Donc hop, vous trouvez un adversaire et ensuite, vous lui infligez des dégâts pour 500 de dégâts. Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts à l'adversaire, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace.